S'il se met à sauter, c'est parce qu'il a mal aux pattes. Et donc, c'est une machine à mesurer la sensibilité à la douleur. C'est extrêmement fiable. Voici une expérience où je prends des petits rats normaux et puis je fais chauffer la plaque. Puis il commence à danser autour de 300. Puis ici, j'ai mesuré ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25 fois. Et 25 fois, il retrouve exactement le même seuil de la douleur. À partir de cette chaleur-là, le petit rat commence à sauter. Comprenez-vous ça? Si ce petit rat-là, je lui donne de l'héroïne. L'héroïne, c'est du déacétylmorphine, donc c'est une sorte de morphine. Puis je commence à chauffer la plaque. Hey, je peux chauffer pas mal plus haut, parce qu'il ne sent pas la douleur. Puis après la dose de diacétylmorphine, doum, 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 là, il commence à avoir de moins en moins, à se rapprocher de la situation normale. Pourquoi? Parce que la morphine est métabolisée. Puis j'ai de moins en moins de morphine dans le sang. Donc, il y a de moins en moins d'effets de protection contre la douleur. Ça, on comprend ça facilement. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ici, voilà qu'il devient plus sensible à la douleur que tu as avant. Pourquoi? Parce que là, il a métabolisé 99,9% de sa morphine. Il reste le 1%. Il y en a tellement peu que les seuls récepteurs qui vont lire cette morphine-là, c'est les récepteurs stimulant la douleur. Voilà qu'à très petite quantité, la morphine a augmenté la sensibilité à la douleur. Et on va voir que cette augmentation-là est beaucoup plus permanente et prégnante que ne l'est l'effet analgésique. Voilà des tyrans à qui j'ai fait danser à la température ce matin à 6 heures du matin. Il est 5 heures du soir, il n'y a plus de morphine, il n'y a plus de douleur, il n'est plus exposé à des opiacés. Puis je regarde un groupe qui a eu de la douleur, puis un groupe qui n'a pas eu de douleur. Le groupe qui a eu de la douleur, bien, je vois qu'il est plus sensible que celui qui n'en a pas eu. Le groupe qui a eu avec de la douleur, c'était de la morphine. Le groupe qui a eu de la morphine, et non pas du salin, avec la douleur, en fait, pour être plus exact, eh bien, celui qui a eu de la morphine est plus sensible que celui qui n'a pas eu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que c'est comme si le cerveau avait été influencé par la morphine que je lui ai donnée. Et cette influence est très intéressante parce que je peux la bloquer complètement. Prendre ce petit rat-là et d'en faire un rat normal. Tout ce que j'ai à faire pour ça, c'est de lui donner un anti-NMDA. Puis tout à l'heure, on va voir ce que ça fait un anti-NMDA. Donc, il y a eu un changement induit par la morphine chez un rat normal qui s'est trouvé en excès de morphine avant que je le fasse sauter. Et ça, ça a fait un changement à l'intérieur de lui. Et ce changement-là fait que maintenant, il a plus mal. J'en profite pour vous dire que lorsque vous avez donné de la morphine sous-cutanée à un malade, au bout de 4 heures, la dose... Puis là, il y a un petit bout où il va avoir plus mal. Et il va avoir besoin de sa dose. Donc, quand on lui donne aux 4 heures, ce n'est pas par expression, on ne lui donne pas aux 4 heures, là, on le fait souffrir de plus. Et donc, il faut être présent pour le donner aux 4 heures. Puis, vous n'êtes pas capable de donner aux 4 heures, de donner une perfusion sous-cutanée. Puis là, vous n'aurez jamais le problème de la chute. OK? Ça, c'est conséquence clinique. Ce qui est intéressant, donc, ici, c'est que quand je donne de la morphine, que je donne du fentanyl, que je donne de l'héroïne, c'est exactement la même image. Et dans tous les cas, si je mets un anti-NMDA, le malade, le petit rat, ne développe pas d'hyperalgésie. On peut donc bloquer l'hyperalgésie avec des médicaments qui agissent sur le NMDA. Et donc, ça va être une autre des voies de traitement. La première était une rotation, puis la deuxième, c'est d'ajouter un anti-NMDA. Right. Alors, regardons ça un peu plus loin. C'est la même chose avec de la fentamine. Voilà un petit rat du fentanyl, un petit rat qui saute à peu près à 300. Ici, on lui donne du fentanyl. On peut le monter à 600 puis avant qu'il commence à sauter. Le fentanyl, c'est rapidement métabolisé. Rapidement, on va redescendre à la normale. Regardez le petit rat à qui on a fait ça. Un jour après, il est plus sensible. 2 jours après, il est encore plus sensible.
Trois jours après, il est encore plus sensible. Ça va prendre quatre ou cinq jours avant qu'il revienne à la normale. Donc, l'effet du surdosage est un effet qui est prolongé, beaucoup plus prolongé que l'effet sur la douleur. Voilà des petits rats à qui on donne de la morphine pour rien pendant 28 jours. Regardez le groupe qui va recevoir de la morphine pour rien. Il devient beaucoup plus sensible à la douleur. Puis ça va y prendre 14 jours avant de revenir à une sensibilité normale. Et nos malades qui recevraient trop de morphine longtemps, ils sont exactement dans cette situation-là. Et il ne faut pas s'attendre à ce que tu les sortes de l'hyperalgésie du jour au lendemain. Ça va prendre 14 jours, sauf si tu as des anti-NMDA qui peuvent t'aider de façon puissante. Comprenez-vous? OK. Et si on donne des anti-NMDA, ici c'est du MK-801 avec de l'héroïne ou sans héroïne, on voit que les barres rouges et noires sont pareilles. En d'autres termes, les deux rats ont la même sensibilité à la douleur. Ce qui n'était pas ici le cas, la barre noire était de plus en plus basse, c'est-à-dire que la sensibilité à la douleur était de plus en plus grande après l'utilisation d'héroïne. Si je donne deux doses d'opiacé de suite, l'effet de la deuxième est un peu moins efficace que celui de la première. C'est de la tolérance. Mais si je donne un anti-NMDA, la deuxième dose est pareille que la première, il n'y en a pas de tolérance. La tolérance passe par le NMDA. Chez l'animal sain, qui a des endorphines normales, une hyperalgésie est donc toujours produite par les opiacés. Ceci est une réponse nociceptive normale et qui est de plus en plus grande en fonction de l'excès d'opiacés. Plus j'en donne trop, pire c'est la situation et d'autant pire. Et ça, c'est la réponse d'un animal normal. Normal. Il faut beaucoup insister. Pourquoi? Parce qu'au fond, les opiacés font affaire avec les récepteurs qui sont couplés avec des protéines G qui inhibent la douleur, puis des protéines G qui stimulent la douleur. Les protéines G qui stimulent la douleur, elles sont très, très sensibles aux opiacés. On a besoin seulement de donner des nanomoles. Puis quand elles sont stimulées longtemps, un jour, deux jours, trois jours. Elles sont beaucoup moins sensibles, il faut des micromoles, mille fois plus, puis ça dure beaucoup moins longtemps. Si j'ai surtout un effet GI, eh bien la résultante, c'est l'analgésie. Mais si pour une raison quelconque, j'ai surtout des G stimulantes, l'effet, c'est de l'hyperalgie. Et donc, j'ai une espèce de balance. Tant que je reste avec des doses qui font maximiser l'effet de GI, là, les opiacés enlèvent de la douleur. Si les opiacés ne trouvent plus de GI, bien, ils vont donner de la douleur. L'inhibition de la douleur est faite par des récepteurs couplés avec des G inhibiteurs, protéines G inhibiteurs, couplés aux récepteurs mu de la morphine. Ces récepteurs sont nombreux, ils sont peu sensibles aux opiacés, ils sont peu sensibles à la naloxone. La naloxone, c'est un opiacé qui ressemble tout à fait à un opiacé, sauf que lui, il ne fait rien. Il fait juste bloquer le récepteur. Et il y a un effet très court. Et l'effet dominant de ce système AGI, c'est un effet analgésique. Mais il y a aussi un système GS. Il y a très peu de récepteurs qui sont couplés avec GF, mais eux autres, ils sont extrêmement sensibles à des très petites quantités d'opiacés, puis ça va durer longtemps. Puis ils sont également très sensibles à des petites quantités de naloxone. La naloxone puis la morphine ont une affinité pour le même récepteur. L'effet dominant crée de la douleur. On peut donc voir que c'est possible d'avoir un effet paradoxal des opiacés si j'ai une activation des récepteurs couplés avec des G stimulantes. Bien, je vais utiliser ça pour me protéger contre un excès d'opiacé. Et ça va faire partie importante du syndrome des gens qui sont en manque. Et tu vois tout d'un coup une douleur produite par l'utilisation d'opiacé. S'il y a plus d'effets GS que d'effets GI, d'effets inhibiteurs plutôt que d'effets stimulants, j'ai un effet antinociceptif. Plus de stimulants que d'inhibiteurs,
pro-nociceptif, égal, ben, il n'y a aucun maudit effet. Docteur, vos piqûres ne font plus rien. OK? Ici, vos piqûres me font du bien, vos piqûres ne me font plus rien, vos piqûres commencent à me faire mal. Parce que là, je n'ai plus d'effet antiseptique, j'ai juste un effet pro-nociceptif. Comment ça peut arriver? Bien, je vous ai montré que dans la tolérance, on rentrait les récepteurs de la cellule. Alors, voilà les récepteurs. Ici, j'ai 4 GI puis un seul GS. Là, j'ai fait un excès d'opiacés. Alors, je rentre mes récepteurs. Là, j'ai rempli 2 récepteurs GI. Maintenant, j'ai 2 GI, mais je n'ai pas touché au GS. Je continue encore à donner des opiacés. Maintenant, j'ai 1 GI égale 1 GS. Il n'y a plus aucun bon petit effet. Quand l'effet analgésique est complètement compensé par l'effet pro-analgésique, je suis dans la situation où ils ne font plus rien. Puis, si j'internalise mon dernier récepteur, bien, je vais avoir maintenant un effet de douleur. Si je perds le GI qui est là, il reçoit un seul GS, puis c'est sûr que ça va créer de la douleur. L'activation des systèmes pronociceptifs est donc responsable de la douleur créée par les opiacés, et c'est toujours quand on a créé un excès d'opiacés. Et je vous rappelle là, que je suis toujours en train de vous parler de gens normaux, parce que dans ces gens normaux, c'est facile de faire un excès d'opiacés. En fait, pas de gens, mais d'animaux normaux. Et je sais cependant que je peux prévenir ça avec les anti-NMDA et que l'activation peut donc être prévenue par ces anti-NMDA ou prévenue par l'analoxone, si je mets de l'analoxone pour empêcher les récepteurs d'être occupés par les opiacés. L'activation de ces systèmes anti- et pronociceptifs est simultanée chez les animaux normaux. Et l'activation de ce système va précéder et durer plus longtemps que celle du système qui enlève la douleur. Donc, c'est un système qui est très important, mais qui, heureusement, peut être bloqué par les anti-NMDA. Et si c'est vrai, ça, que chaque fois que je donne un opiacé, il y a une petite partie qui fait de la douleur, puis une grande partie qui enlève de la douleur. Puis, si c'est vrai que celles qui donnent la douleur sont plus sensibles à l'analoxone que les autres, bien, je pourrais mettre dans ma perfusion des petites micro-quantités de naloxone. Qu'est-ce qui va arriver? Voilà un petit rat à qui répond, et voilà le pourcentage de l'effet antinociceptif quand il n'y a pas de naloxone, puis voilà l'effet quand tu mets des quantités microscopiques de naloxone. Tu as augmenté l'efficacité de l'effet analgésique. Et comment tu fais pour augmenter l'effet analgésique quand tu donnes une molécule qui bloque? Bien, elle bloque les GS. Il n'y en a pas assez pour bloquer les GI. OK? Donc, si tu as des très petites quantités de naloxone, ça va, et tu vas voir les anesthésistes que tu as appelés en consultation se mettre, parce que tu as un problème de douleur que tu n'arrives pas à régler, se mettre à faire une perfusion intrathécale, puis tu vas voir dans sa petite bouteille qu'est-ce qu'il y a. Il y a un opiacé, il y a de la clonidine, puis il y a des quantités microscopiques de naloxone. Ce qu'il essaye de faire, c'est ce que je te montre sur le petit rat. Est-ce que c'est logique de mettre? Oui, c'est logique. Puis si tu es logique de mettre des si petites quantités, oui, c'est logique. Parce que si tu mets des plus grandes quantités, tu vas bloquer l'effet de ton analgésique en même temps. C'est pas ça que tu veux. Tu veux bloquer seulement les GS. Donc, c'est logique. L'hyperalgésie est donc une douleur chronique, importante, soutenue, qui est due à une charge anormalement grande avec une surexcitation des cellules. Comment ça se passe, ça? Bien, voilà ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous avons vu que la cellule qui était là lâchait une pluie de glutamate. Cette pluie de glutamate est modulée par les opiacés. Quand la pluie de glutamate arrive, le récepteur AMPA accepte un sodium, ce qui fait une dépolarisation. Et cette dépolarisation va se faire à la même vitesse que la dépolarisation ici, si c'est l'un est en relation avec l'autre. Et c'est ça la situation normale. À côté, il y a un récepteur NMDA qui, lui, n'est pas utilisé. Il n'est pas utilisé parce qu'il est bloqué par le petit rond violet qui est un ion magnésium. Un ion magnésium, c'est un ion avec 2+. Il se pogne à travers le canal puis il le bloque. Mais si on a beaucoup mal,
mal de façon prolongée, qu'on est mal soulagé. Ou si on a du GS qui marche à plein, voilà que le magnésium sort et le sodium, maintenant, au lieu de rentrer par là, il rentre aussi par là. Puis quand il rentre par là, il rentre à pleine poche. Puis quand il rentre à pleine poche, il crée une douleur à pleine poche aussi, qui n'est plus sensible à la morphine, puisque la morphine ne touche pas le noyau NMDA. Elle va toucher seulement le noyau AMPA. En d'autres termes, si le magnésium est parti, voilà que ce noyau NMDA laisse rentrer le sodium, puis laisse rentrer à pleine poche. Puis quand il rentre à pleine poche, il y a une dépolarisation importante. Cette dépolarisation va avoir plusieurs effets. Augmentation du calcium dans la cellule, augmentation de l'activité des protéines kinases C. Ça, c'est des protéines qui vont désactiver cette voie-là. Et maintenant, j'ai une voie douloureuse qui n'est plus sensible à la morphine. Et cette voie douloureuse qui n'est plus sensible à la morphine est encore sensible aux anti-NMDA, bien sûr. Quel est l'effet d'avoir du mal contrôlé, longtemps, fréquent, souvent? Et on voit ça beaucoup avec des gens qui ont des cancers ORL, un cancer de la bouche, ou des cancers du rectum. Pourquoi? Savez-vous qu'il y a quelques milliards d'années, on était des vers de terre? Et les vers de terre, là, c'est un petit tube avec une bouche d'un côté et un cul de l'autre bord. Et quand ils vont de gauche à droite, la bouche est en avant. Et quand ils vont de droite à gauche, la bouche est en arrière. Et il y a autour de cette bouche-là des nerfs qui ont été mis là pour que ça s'ouvre, ça se ferme et que ça mange. Puis ces nerfs-là, on les a encore, nous, autour de la bouche et autour de l'anus, évidemment. Et donc, quand tu commences à avoir un cancer dans la région ORL, tu as un cancer sur les nerfs qui sont très, très, très sensibles à la douleur. Merci. C'est un système archaïque, super sensible à la douleur. Et donc, quelque part, lorsque cela arrive, ça envoie des signaux aux neurones. Le neurone, il est tellement excité de douleur qu'à un moment donné, il devient super excitable parce qu'il se met à recruter son NMDA. Puis, à le moindre moment qu'un petit signal, ça se décharge ça, comme un tremblement de terre. Il devient surexcitable. Et là, il suffit de toucher la peau dans la région autour du cancer pour créer de la douleur. C'est de l'allodynie. Et ce neurone-là va se mettre lui-même à se transformer à cause de la douleur chronique. Comment se transformer? Bien, d'un petit neurone qui était comme ça, il devient un gros neurone qui est comme ça. Il se met à pousser comme un petit arbuste. Puis au lieu d'avoir un dermatome, voilà que maintenant, il couvre 4 dermatomes. Avant, j'y touchais ici, puis ça lui faisait mal. Et maintenant, j'y touche ici, puis ça lui fait mal. Parce que dans ma colonne, ce neurone est devenu grand comme ça, et il couvre maintenant 3 ou 4 dermatomes. Donc, ce malade est devenu beaucoup plus sensible à la douleur. Et c'est grâce au noyau NMDA. Le voilà, le noyau NMDA. Lui aussi, il fait rentrer du sodium, vous voyez. Puis si tu rentres du sodium ici, là, bang, ça va faire un tremblement de terre dans la cellule. Regardez qu'à l'intérieur de ça, il y a des endroits qui sont comme une petite poche. Cette poche-là, c'est pour mettre un magnésium. Quand le magnésium est là, le sodium ou le calcium ne peut pas rentrer. Mais si tu as sorti le magnésium, oui, il peut rentrer. Puis si tu veux le rebloquer, tu ne peux pas le remettre, le magnésium, spontanément. Mais tu peux mettre de la kétamine dans la petite poche qui est en dessous, qui va faire exactement comme le magnésium. Ou tu veux mettre tu peux mettre de la méthadone dans le même maudit site. Et là, tu viens bloquer le noyau NMDA. S'il n'y a plus de sodium qui rentre là, il n'y a plus de douleur qui peut être formée par ce système-là. Il est représenté de toutes sortes de façons. Voilà une autre représentation, on voit bien le magnésium normalement présent dans le centre du récepteur NMDA. Alors, jusqu'à présent, on a compris et on commence à deviner que si je me mets à traiter quelqu'un qui a du mal avec un opiacé, puis que je vois que sa douleur est tout d'un coup assez bien contrôlée, que je continue mon affaire, mais que lui prend quand même des entredoses parce qu'il a peur d'avoir mal dans la nuit,
il a peur qu'il ne va pas pouvoir avoir mal demain matin. Il les prend, non pas parce qu'il a mal, mais parce qu'il veut prévenir la douleur. Alors qu'il n'a pas mal, il redevient quelqu'un de normal qui se surdose aux opiacés. Qu'est-ce que je vais voir? Ben, je vais voir une perte progressive de mes opiacés. Puis je vais voir à un moment donné un monsieur qui devient somnolent, qui n'est plus capable de dire combien 93 moins 7 font. Il devrait être sans aucune douleur. Il est pleinement plein d'opiacés. Pourtant, il a mal. Puis il augmente encore. S'il a mal, alors qu'il y a des signes d'endormissement, ça veut dire que le système à morphine est en excès, mais la douleur n'est pas arrêtée parce qu'elle n'est pas morphine sensible. Elle est autre chose sensible. Ça n'est pas normal que quelqu'un qui ait une bonne dose de morphine assez pour dormir ne soit pas sans douleur. Il devrait être complètement sans douleur. S'il n'est pas complètement sans douleur, quelque chose d'autre se passe. Et le quelque chose d'autre qui se passe, eh bien, c'est qu'on commence à avoir de la douleur. On montre très bien chez le petit rat comment ça se passe. On montre très bien cette excitation du système GS. On montre très bien que c'est NMDA sensible. Est-ce-tu vrai chez l'homme, ça? C'est bien chez le petit rat, mais chez l'homme, c'est bien plus difficile à faire. Parce que nous avons tous un statut endorphinique variable. Lui, il court tous les lundis, ses endorphines sont au ciel. Moi, je ne bouge plus, je suis rendu un petit vieux, les endorphines sont juste là. Écoute, si tu me donnes la même dose de morphine à lui et à moi, bien, lui, il va faire un surdosage bien plus vite que moi. Parce que lui, il en a plein, des endorphines. Moi, j'en ai peu. Donc, il y a une disparité dans l'étude des humains. Puis, les humains, ils prennent aussi d'autres pilules qui vont avoir des influences, qui vont s'influencer, d'autres médications. Et donc, les mesures vont avoir beaucoup plus de bruit que des petits rats qui sont dans les mêmes conditions, même température, même cage, même drasse, même gène, même ci, même ci. Hein? C'est donc beaucoup plus difficile chez l'homme de faire cette démonstration. Mais on peut montrer, je vais vous le montrer maintenant, qu'on peut devenir tolérant et hyperalgique si on est un sujet sain, alors que c'est beaucoup plus difficile si on est très malade. Et donc, c'est clair que c'est une question d'excès d'endorphine. C'est pour ça que je vais montrer cette petite diapositive tout à l'heure, que je ne reprends pas. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour vérifier si tout ça est vrai? Bien, je peux prendre des sujets sains, leur infuser des opiacés, puis de regarder s'ils font comme le petit rat. Je peux étudier les gens qui sont des consommateurs versus des sujets qui sont des sujets sains et qui ont plus tendance à avoir de la douleur. Je peux examiner des malades puis regarder quand est-ce qu'ils deviennent intolérants et avec quel régime de médication, etc., etc., etc. Et pour faire ça, il y a un monsieur qui est formidable, il s'appelle Fishbane, et en 2009, il s'est posé la question, est-ce que les tyrans puis les hommes, c'est pareil? Et il va revoir tous les articles qui ont été écrits jusqu'en 2009 sur la question. Il va en trouver 504. De ces 504, il en écarte 456 parce qu'il juge que ces 456 ne sont pas assez bons. La méthodologie n'est pas assez bonne. Il va en garder 48. Puis dans les 48 qu'il garde, il dit, oui, la méthodologie est bonne. Je vais classer les résultats. Puis je vais les classer selon 5 catégories. Des catégories où on a un très gros effet, un moyen effet, un petit effet, mais certainement, ou des catégories où on n'est pas sûr des effets. On peut aussi dire des articles très, très, très bien faits, des articles dans lesquels la méthodologie ne permet pas de montrer qu'il y a ou qu'il n'y a pas un effet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que la méthodologie ne permet pas de le montrer. Et il va aller poser des questions très, très intéressantes sur la question. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Si on prend des sujets sains, et qui prennent très peu d'opiacés. Il n'y a pas beaucoup d'expérience, parce qu'il y a peu de gens qui prennent de la morphine quand ils n'ont pas de mal. Ici, on voit 5 papiers, et il va observer la chose suivante dans ces 5 papiers. Si je donne de la morphine à quelqu'un qui n'a pas de mal, qui est normal, et que je donne des doses modérées d'opiacés, j'ai un effet modeste d'hyperalgésie. Ces gens-là, ils sont plus sensibles à la douleur que des gens qui ne prennent pas d'opiacés. Évidemment, si je donne des doses d'endorphine avec beaucoup d'opiacés, 5 autres études, bien là, avec une charge importante en opiacés, je fais une surcharge importante
avec ces études, évidence très forte. 100% des gens qui reçoivent des opiacés quand ils n'ont pas de besoin développent une hyperalgie. Évidence d'effet marqué. Apparition d'hyperalgésie, apparition de tolérance, baisse marquée du seuil de la douleur qui graduellement va disparaître. Les anesthésistes, c'est des idées. Savez-vous, quand on appelle les malades, on leur donne des doses importantes de fentanyl quand ils se réveillent parce qu'on a ouvert leur ventre, on leur a frappé dans la main, on a joué là-dedans, ça leur a fait du mal. Et à la place, ils donnaient après. Si on les donnait avant, bien, si on les donnait avant, ils n'auraient peut-être pas avoir du mal. Mais en le donnant avant, ils donnent des opiacés à des gens qui n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, 4 études, évidence très forte. Si tu donnes la morphine avant de faire le mal, eh bien, tu vas avoir besoin de 3, 4, 5 fois plus de morphine après parce que tu viens de faire disparaître le système de sensibilité à la morphine. Quand tu le donnes après, là, tu ne le fais pas disparaître parce que la douleur est là. Avant, la douleur n'était pas là. Et évidemment, les endorphines sont également différentes. Hein? Vous vous rendez compte que si j'ai du mal, la première chose que je vais faire, si je ne fais pas de... Je vais aller chercher mes endorphines pour enlever ma douleur. Puis, si j'ai du mal longtemps, je vais chercher toutes les endorphines que j'ai pour enlever ma douleur. Puis mon réservoir d'endorphines va être de plus en plus bas. Puis mon est tellement bas que j'ai encore mal. Là, je demande d'un exorphine, la morphine, pour remonter mon réservoir, pour être capable d'enlever la douleur. Right? Donc ici, ces malades, quand ils sont opérés, ils ont baissé leurs endorphines. On a donné de la morphine et ils vont beaucoup mieux. Mais quand on a fait un excès de morphine, puis là, maintenant, on consomme avec les endorphines, cet excès les a rendus moins sensibles aux endorphines et à la morphine, et ça va en prendre beaucoup plus. On vient de les désensibiliser. Si on fait une rotation d'opiacés, on parle de la morphine, puis on parle à une autre sorte, est-ce qu'on voit que ça corrige l'allodynie? Oui, les évidences sont de qualité B, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas excellentes, mais très bonnes. Et on voit, sur 21 études, que quand on évite une exposition à des doses trop élevées d'opiacés, l'allodynie s'améliore et elle disparaît complètement quand tu fais une rotation d'opiacés. Ça veut dire que les récepteurs à la morphine, eux, étaient désensibilisés, mais pas les récepteurs au fentanyl. Puis quand tu es passé au fentanyl, tu as de nouveau retrouvé un excellent contrôle de la douleur. Oui, monsieur? Si on baisse la quantité d'opiacés qu'on donne, oui. Je vous ai montré tout à l'heure que le petit rat, il prenait 15 jours avant de retrouver à la normale. Alors oui, si je baisse la quantité d'opiacés, 15 jours plus tard, je vais retrouver la sensibilité. Mais pendant ces 15 jours-là, mon malade, il est malade, puis il a mal. Peut-être qu'il va être mort. Fait que j'aime mieux faire la rotation maintenant, retrouver 100% de l'effet avec un nouveau opiacé, puis dans 15 jours, je pourrais retourner à mon ancien opiacé. Je n'ai juste 4 des opiacés. Fait que je vais essayer d'en prendre un à la fois, m'en garder 3 en réserve. Puis quand il devient trop sensible à celui-là, ben, ça arrive pour le deuxième, puis il va donner assez longtemps pour retrouver la sensibilité au premier. Si bien que dans 15 jours, j'en aurai encore 3 disponibles dans ma bourse au cas où il y a un accident douloureux. Right? La question est excellente, mais la réponse était aussi déjà dans la présentation. Ce qui n'est pas une critique. Hein? C'est juste, je te montre qu'il y a une espèce de cohérence interne dans ce qu'on dit. Alors, est-ce qu'une rotation? Oui, la rotation, ça aide beaucoup. Puis les gens qui sont des consommateurs, ils consomment toutes sortes d'affaires, des opiacés, de la coke, n'importe quoi, là. Et dans cette consommation-là, est-ce qu'ils se retrouvent, ils ont-ils un seuil normal de la douleur? Sont-ils plus sensibles à l'hyperalgésie? La réponse est oui. 9 études distinctes qui montrent tout ça, évidence de qualité B, c'est-à-dire très bonne. Pas 100%, mais très bon. Donc, c'est cohérent. L'homme fait la même chose. Quand on donne de la naloxone, est-ce qu'on démontre de l'analgésie chez les consommateurs? La réponse est oui. Ils rentrent immédiatement en syndrome de retrait et ont mal partout. Le syndrome de retrait, c'est la disparition de l'effet positif des opiacés. Si je donne de la naloxone à très basse dose, Est-ce que j'améliore l'analgésie? Bien non, pas chez les malades très malades. Pourquoi pas chez les malades très malades? Parce que eux autres, ils n'ont pas de GS à bloquer.
ils ont tellement peu de GS à bloquer qu'on ne le voit pas d'effet. Voilà, chez les patients hyperalgésiques, que tu donnes des petites quantités de naloxone et tu bloques la GS, c'est exactement pareil que ça n'en donne pas. Chez le petit rat, c'est pas pareil. La différence, c'est quoi? Pas juste le rat. La différence, c'est que lui a du mal. Le petit rat d'avant, il n'avait pas de mal. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Est-ce que les gens qui ont des douleurs chroniques, tout le temps mal, développent plus de tolérance aux opiacés? Est-ce que les sujets qui reçoivent des opiacés pour cette douleur chronique, est-ce qu'ils ont plus de tolérance que ceux qui n'ont pas? On n'est pas capable de le montrer. Parce que ceux qui ont du mal, parce qu'ils ont du mal, ils n'ont beaucoup moins d'hyperalgésie, puisque les opiacés qu'ils reçoivent sont à bon escient. Donc, ils viennent beaucoup moins en surdosage. Donc, quand les gens ont du mal, on n'est pas capable de démontrer qu'ils développent une hyperalgésie. C'est tout à fait cohérent, parce que ces gens-là sont des gens qui ont du mal. Est-ce que les patients avec une douleur chronique traitée aux opiacés développent plus de tolérance que les patients non traités? Non! Mais il y a une seule étude. Mais c'est normal que ce soit non, parce qu'on ne développe pas d'hyperalgésie si la morphine est là pour compenser la douleur. On n'est jamais en excès. Et donc, on n'a pas de raison d'entrer en hyperalgésie. La rotation d'opiacés améliore l'aldosinie, certainement. Les malades en soins palliatifs, bien, eux autres, ils ont des endorphines tellement basses, puis tellement d'autres facteurs protecteurs, qu'on n'est pas capable, on n'a pas de bonnes études sur la question. Donc, en soins palliatifs, il n'y a pas de bonnes études. On pense qu'en soins palliatifs, on peut, comme dans d'autres situations, développer de l'hyperalgésie, surtout si on a des docteurs qui ont la main lourde. Puis j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Moi, j'ai travaillé dans un service, on était 8 docteurs. 2 d'entre nous avaient des patients hyperalgésiques. Les 6 autres, non. Puis ces 2-là prescrivaient 2 fois plus d'opiacés que les autres. Puis avaient des protocoles d'augmentation. Ils avaient une espèce de foi aveugle dans l'effet magique de la morphine. T'en mets un peu plus, il va aller mieux. Waouh! Ce n'est pas du tout comme ça. Les 6 autres, avant de prescrire de la morphine, madame, combien ça fait 93-7? Puis si ça ne fait pas 93-7, ce n'est pas la réponse, tu n'en as pas plus de morphine. Peut-être que tu as un autre opiacé, mais tu n'as sûrement pas plus de morphine. Right? Parce que là, tu le sais qu'il y a des signes d'intoxication, donc tu le sais qu'il est déjà en train de se désensibiliser et qu'il va créer de la douleur. Donc, les docteurs ne sont pas tous pareils sur leur prescription des opiacés, mais ils ne comprennent pas ce que je viens de vous dire là. Et chez les humains, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que chez les hommes. Résumé, une hyperalgésie est observée chez les animaux sains exposés aux opiacés, alors qu'ils n'ont pas de besoin, et ceci s'accroît avec le temps. Une hyperalgésie progressive est observée chez les humains sains exposés aux opiacés, et ceci s'accroît avec le temps. Chez les deux espèces, si tu leur donnes de la kétamine ou de la méthadone, tu vas empêcher ça. Peut-être que tu n'as pas envie de donner de la méthadone, tu as envie de donner des doses appropriées d'opiacés, puis tu gardes la méthadone dans ta poche au cas où tu n'as besoin, ou qu'il y ait une allodynie reliée à autre chose que les opiacés. L'hyperalgie progressive observée chez les malades exposés aux opiacés en excès, c'est toujours le cas. Et c'est pour ça que je ne donnerai pas d'opiacés intraveineux, qui va monter le taux d'opiacés très, 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 très haut. C'est pour ça que je ne donnerai pas plus d'entredose que la pharmacocinétique me dit qu'il est nécessaire, parce que je ne veux pas les mettre en excès. Et je vais trouver ça souvent en périchirurgical. Parce qu'en périchirurgical, on marche déjà avec des endorphines qui ne sont pas très basses. Chez nos malades, ils sont évidemment très basses. Puis les chirurgiens ne comprennent rien de ça. Ça devient trop compliqué pour eux. La morphine 200, là, ça ne marche pas pour un chirurgien. C'est rare. C'est pas tout, mais c'est rare. Ceux qui comprennent un peu plus loin que l'effet initial. L'hyperalgésie progressive est beaucoup plus rarement observée chez les malades en fin de vie parce que c'est très difficile de les mettre en excès d'opiacés. L'hyperalgésie découle d'un apport excessif, que cet apport soit occulte ou évident. Occulte, ce sont les malades, par exemple, des consommateurs, qui
qui demandent des entredoses pour d'autres raisons que la douleur. Parce que quand ils ont eu l'habitude d'avoir un petit buzz en prenant leur dose de et puis là, ils demandent pour avoir le petit buzz. Et le petit buzz les désensibilise et va finir par créer une hyperalgésie. Cette hyperalgésie peut être prévenue et traitée par la méthadone ou la kétamine et tous les anti-NMDA. La grand message, attention, l'hyperalgésie est une réponse normale du cerveau à un excès chronique. C'est pour empêcher que ton médicament me tue, que je deviens moins sensible ou même que je crée de la douleur. Il faut donc éviter de donner plus d'analgésie que requis, toujours utiliser une co-analgésie optimale pour avoir la plus petite dose possible d'opiacé. Observez si les entredoses sont toujours efficaces, s'ils sont de moins en moins efficaces d'être alertés à la possibilité qu'on développe une hyperalgésie. Recherchez des signes nouveaux. Le malade qui prend sa médication, qui devient, développe une allodynie, bien, peut-être que ceci t'indique qu'il c'est le temps de faire une rotation. Regardez si une rotation ou l'introduction d'un anti-NMDA n'est pas indiqué. Attention aux formes intraveineuses qui ne sont pas désirables. Attention aux formes subcutanées pour donner juste les bonnes doses pour que le plus possible constant dans le sang, ça ne monte jamais très haut. Dès que ça monte très haut, on perd les récepteurs. Action à considérer, méfiez-vous des ex-consommateurs. Souvent, ce sont des gens qui vont prendre des médicaments au-delà de leurs besoins. Quand ils prennent leurs entredoses à la minute, c'est suspect. La douleur n'est pas à la minute. Mais si tu as le droit aux 2 heures, puis qu'à 2 heures, c'est 4h02, puis que tu sonnes le bouton à 4h02 pour avoir ta dose, quelque part, peut-être que... Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis qu'il faut s'allumer à ça. Parce qu'il y a des gens qui vont consommer. Et s'ils consomment, bien, c'est sûr que tu vas avoir de plus en plus de difficultés à les contrôler avec cette médication-là. Fais une rotation rapide si tu penses que tu es devant une situation de tolérance. Change l'opiacé. Tu ne changes pas en donnant la dose équivalente, mais seulement 70 % de la dose équivalente. Et tu fais attention qu'il y a d'autres métabolites de nos médicaments qui sont actifs. Par exemple, la morphine a au moins 2 métabolites lentement excrétés qui sont aussi, sinon plus actifs que la morphine sur la douleur. Ces métabolites-là, le malade a de moins de fonctions rénales, il se met à les accumuler. Puis là, avec la même maudite dose, il devient en surdosage par accumulation de métabolites. Donc, il faut avoir pensé en même temps que ces métabolites-là peuvent avoir un effet. Il n'y en a pas de métabolites avec le dilodide, puis il n'y en a pas avec le benzanil. Et c'est pour ça qu'en fin de vie, moi, j'utilise le dilodide, pas la morphine. Right? Parce que je suis sûr qu'il n'y a pas de métabolite là. Et donc, mon malade, même s'il perd son insuffisance, sa fonction rénale, eh bien, il n'aura pas d'accumulation de métabolites toxiques. Et puis, je vais introduire un anti-NMDA lorsque j'en ai besoin pour maximiser mon effet analgésique. Enfin, si jamais vous avez à lire des articles scientifiques sur la douleur, regardez, s'il vous plaît, si le sujet, le petit rat, le petit cochon ou l'humain a du mal ou pas. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes effets s'il y a du mal que s'il n'y en a pas. C'est une biologie différente. Le malade est différent de celui qui n'est pas malade et répond donc de façon différente. Je termine en vous racontant une histoire clinique. Voilà une patiente qui vient à mon bureau, elle a 62 ans, un cancer du rectum, ça fait mal. Elle a un Crohn depuis longtemps et une ileostomie parce qu'on lui a coupé des grands morceaux d'intestin pour une maladie de Crohn. Elle a une petite hypercalcémie modeste, elle prend du calcium et de la vitamine D, et son hypercalcémie modeste, à mon avis, est due au calcium et vitamine D. Et puis, depuis quelque temps, elle a de plus en plus mal. Puis, elle a des douleurs rectales et périrectales qui sont constantes. Puis là, elle voit son chirurgien, elle dit, mon cancer est revenu. Non, madame, votre cancer n'est pas revenu. Oui, il est revenu. J'ai mal dans mon rectum. Écoutez, on va vous faire un examen. On fait un examen. Je n'en ai pas vu, madame, d'augmentation de votre cancer. Oui, docteur, mais moi, ça me fait tellement mal, je suis obligé de prendre des entredoses de plus en plus. Écoutez,
Ce que je vais faire, je vais vous demander de voir un docteur de soins palliatifs, ils sont experts dans la douleur. On va regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire. La madame arrive dans mon bureau et elle prend de l'oxycontin, 20 mg trois fois par jour, c'est-à-dire 60 mg de ça, de l'oxycodone en entredose, elle en prend 5 par jour, ça fait 30 mg de ça, 30 plus 60, ça fait 90 mg, 90 mg d'oxycodone, qui est deux fois plus puissant que la morphine, ça fait 180 équivalents morphine par la bouche, ou 90 équivalents morphine sous-cutanée. Elle prend en plus du Lyrica, du Tylenol, et c'est avec ce tableau que moi je la vois, je l'examine, et puis je lui parle. Puis je me rends compte que son oxycontin, elle le croque. Alors, l'oxycontin, ça, c'est une forme longue action. Donc, quand ça en prend, des quantités d'oxycodone sont entourées avec une petite quantité de sucre, une moyenne quantité de sucre ou une grosse quantité de sucre. Quand tu prends tout ça en même temps, bien, les premières oxycodones qui sortent, c'est ceux qui ont une petite quantité de sucre. Puis un peu plus tard, ceux qui ont une moyenne quantité de sucre, le sucre est parti, ils sortent à leur tour. Puis beaucoup, beaucoup plus tard, ceux qui ont une grosse quantité de sucre, quand le sucre est parti, ils sortent à leur tour. Si bien que la morphine, elle est progressivement libérée de façon continue. Mais si tu croques ton médicament, tu as un excès instantané d'oxycodone. Et donc, elle prenait deux fois par jour, trois fois par jour, un surdosage en oxycodone. Et ce surdosage en oxycodone, il va amener quoi? Il va amener une hyperalgésie. Il va amener une hyperalgie, c'est sûr, parce qu'elle ne prend pas son médicament comme il faut. Alors, je regarde combien est-ce qu'il faut lui donner. Elle devrait avoir 60 microgrammes de fentanyl pour la mettre sur un patch. Et je m'en vais lui donner 25, un tiers de la dose. J'ai dit, madame, je vais changer rotation votre médicament. On va vous donner un patch, ça va être beaucoup plus régulier. Puis on va regarder comment ça va. Vous revenez me voir la semaine prochaine. Durant la fin de la semaine, elle est franchement surdosée. Un docteur vient à domicile, arrache le timbre. Et 20 jours après, elle ne prend aucun opiacé. Elle est complètement contrôlée avec un peu de Lyrica. Right? Qu'est-ce qu'elle avait? OIH. Right? Vous avez compris pourquoi elle avait ça? Oui, vous avez compris pourquoi elle avait ça. Vous venez de comprendre le syndrome produit par un excès d'opiacé largement dû à une prescription inappropriée ou à un examen inapproprié avant l'ajustement des doses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Question. Est-ce que c'est trop compliqué? Levez la main ceux qui ont trouvé ça trop compliqué. Vous avez le droit, hein? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui, oui.